Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne Apprendre et comprendre. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et écrire les lettres de l'alphabet français. Allez-y, c'est parti. Voyons les lettres de l'alphabet. L'alphabet commence par la lettre A, comme ceci. Un arc de cercle. Un trait et une petite courbe. A. La lettre B avec une montée de trois interlignes, une descente et vers la fin, une petite boucle. B. La lettre C, comme ceci. Un demi-cercle. C. La lettre D, un petit trait, un petit rang, puis un trait de deux interlignes et une petite courbe. À la fin. Après la lettre D, la lettre E. Une toute petite boucle. E, comme ceci. Après le E, le F. Alors, on va monter trois interlignes et on va redescendre avec deux interlignes et vers la fin, nous allons relier les deux avec une toute petite boucle. Après le F, la lettre J. La lettre G, pardon. La lettre G, un rond et une descente de deux interlignes. G. Après la lettre G, la lettre H. Une montée de trois interlignes, une droite et voilà, comme ceci. La lettre H. Après le H, le I. Comme ceci. Avec un petit point. I. Après le I, la lettre J. Un point au-dessus. J. Après K. Et on termine par une boucle. K. L. On monte finement et on appuie pour descendre. L. M avec trois ponts. M. La lettre N vient après le M avec deux ponts. N. Après, ça vient la lettre O. Un petit rond et une petite boucle. Après, la lettre P, comme ceci, avec une descente de deux interlignes. P. Après, Q. Après le R, on monte, on fait une petite boucle et on redescend. R. S, voilà. T, une montée de deux interlignes. On descend avec une petite courbe et on met un trait. Après, la lettre
U. Voilà. U. Après, la lettre V. Le W, comme si nous allons écrire la lettre V, mais au milieu, un petit trait comme la lettre I. Le W. Après, on a le X, comme ceci. Après, Y, comme vous le voyez. Et arrivons à la dernière lettre, la lettre Z. Voilà. Alors, relisons ensemble les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Au revoir et à la prochaine.